Allô, allô, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de e-commerce et plus précisément de boutique en ligne. Comment ouvrir sa boutique sur Internet sans argent, sans aucun investissement? C'est le sujet de cette vidéo. Et sur cette chaîne YouTube, je partage des astuces marketing, business en ligne, tout ce qui concerne arrondir ses fins de mois. Alors, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer d'aucune de mes prochaines vidéos. Donc, étant dit, regardons un peu une petite démonstration de ce qui a été fait donc avec le système, avec le site et avec les quelques petits paramètres que je vais te montrer dans cette vidéo. Regardons un peu une démonstration d'une boutique en ligne qui a été faite et par la suite tu pourras également implémenter, faire la même chose et lancer ton business en ligne ou développer ton business ou proposer tes produits qui étaient en local maintenant en ligne de façon que sans rien investir. Alors ok, c'est parti. Donc voici un peu une petite démonstration de ce qui était fait, une petite boutique. Donc le but de la boutique, c'est premièrement présenter ses produits et ensuite présenter le nom du produit, le prix. Dans une boutique, il est important d'avoir par exemple la création de compte, il est important d'avoir l'option de panier et peut-être, si possible, le contact bloc et autres. Donc cela ne sont que des options et par exemple, voici un peu une petite démonstration. Donc j'ai mis par exemple la formation moins chère et si nous avons boutique et si nous cliquons par exemple au niveau de contact. Donc vous pouvez voir que nous avons bien l'option de contact pour celui qui aimerait par exemple contacter le propriétaire de cette boutique. Il pourrait simplement entrer son nom, donc Michael par exemple, Mika, ensuite entrer son adresse email, le message et cliquer sur envoyer. Donc voilà une option déjà. Et si vous pouvez encaisser par paiement, donc les paiements par exemple par carte bancaire, Visa, PayPal et autres. Et si nous avons également, nous avons l'option de compte. Donc pour ceux qui ont passé leur commande, ils peuvent par exemple se connecter à leur compte pour suivre leurs commandes et bien d'autres. Nous avons l'option de recherche produit, donc quelqu'un peut directement cliquer là, rechercher un produit. Et nous avons l'option panier. Donc là, on nous dit que le panier est vide. Nous allons simplement retourner à la boutique pour essayer de faire quelques achats, stimuler un peu la boutique pour voir comment cela se présente. Donc on va par exemple prendre Copyright Mania. Donc ici nous avons le titre, nous avons le prix, nous avons l'ajouter au panier ou directement acheter maintenant. Nous avons quelques petites descriptions et c'est tout. Donc si nous cliquons par exemple sur ajouter au panier, vous allez voir que l'option de panier s'est incrémentée. Si nous cliquons maintenant sur paiement, donc le système est en train de lancer. Donc vous voyez là que nous pouvons par exemple payer par PayPal et payer également par carte de crédit. Donc voilà un peu ça. Donc pour la démonstration, laissez-moi vous présenter PayHip. Donc c'est un service en ligne entièrement gratuit. Vous pouvez publier des produits en illimité, commencer à vendre comme cela. Donc ce qui est le plus important, c'est que vous n'êtes pas limité à publier uniquement des produits, donc déjà produits physiques, mais vous pouvez également vendre des formations avec PayHip. Donc par exemple, vous pouvez prendre des produits digitaux, ça peut être des e-books, vous pouvez vendre des formations en ligne, vous pouvez vendre vos séances de coaching, vous pouvez créer même des systèmes d'abonnement, donc pour vendre des espaces membres. Vous pouvez également vendre des produits physiques. Donc ce qui est encore le plus important et plus intéressant avec PayHip, c'est que vous avez également la possibilité de créer votre propre programme d'affiliation. Donc ce que généralement vous ne trouvez nulle part ailleurs sur Internet concernant des produits SaaS qui proposent des options de création de boutiques en ligne gratuites. Donc vous ne trouverez cela nulle part. Vous avez également la possibilité de connecter votre nom de domaine directement à PayPal sans rien payer. La possibilité de construire votre site en quelques clics. Vous avez également d'embarquer un site existant directement sur PayPal et commencer à générer des ventes. Donc cela est confirmé par plus de 130 000 créateurs dans le monde, donc qui utilisent PayPal pour vendre leurs formations, séances de coaching, les e-books et plein d'autres. Donc si nous regardons par exemple au niveau du prix, ce qui est le plus intéressant, ensuite nous allons nous connecter et je vais vous montrer comment créer votre boutique maintenant de A à Z. Donc au niveau du prix, vous voyez qu'avec 0 euro par mois, bon, nous avons là au niveau des frais de transaction, ils vont nous prélever 5% de toutes les ventes que nous allons générer sur la plateforme. Donc nous avons accès à toutes les fonctionnalités de
l'application. Nous pouvons publier donc des produits en illimité. Il n'y a pas un plafond de revenus, donc cela gratuitement. Donc c'est vraiment formidable. Simplement pour 29 dollars par mois, donc vous allez dans 3% des frais seront réduits, vous allez seulement payer 2% des frais et toutes les options en illimité. Donc pour 99 dollars, il n'y a pas de frais de transaction. Donc on va simplement se connecter. Pour vous qui n'êtes pas encore inscrit à la plateforme, vous allez simplement cliquer sur sign up for free, mais je vais cliquer simplement sur login. Donc je vais entrer mes identifiants, je vais simplement cliquer sur login. Ok, bon, on me signale que je suis un robot, donc je remplis le captcha et je réessaye sur login. Ok, donc une fois connecté, vous aurez votre tableau de bord comme ceci, vous aurez vos produits donc listés sur votre boutique ici, vous aurez quelques petits stats ici, vous aurez vos revenus donc que vous avez généré par mois. Donc ceci n'a été simplement qu'une simple démonstration, donc vous aurez quelques stats de vente, vous aurez votre boutique, vous pouvez cliquer ici pour créer directement votre boutique très facilement. Mais simplement ce que nous allons regarder au niveau des options, quand vous allez aller sur setting, donc vous voyez que vous avez la possibilité de choisir par exemple la langue de votre boutique, et au niveau de paiement vous pouvez simplement connecter votre PayPal et connecter votre compte Stripe et commencer à faire des ventes. Donc le plus important encore au niveau de marketing, vous allez voir que vous pouvez créer votre propre programme d'affiliation. Donc partagez simplement ce lien pour tous ceux par exemple qui passent par ce lien pour faire, en fait vous partagez ce lien en fonction par exemple de la personne qui a entré son adresse email, une fois toutes les ventes qui sont générées en passant par ce lien, donc les commissions sont directement attribuées à cet utilisateur. Donc vous voyez, vous pouvez ajouter des coupons et plein d'autres. Allons directement au niveau de store, donc vous pouvez voir que ma boutique est créée, vous pouvez voir donc qui est également là la possibilité de publier des articles de blog et de connecter également notre nom de domaine, donc comme cela gratuitement. Donc voici la boutique, et ce que nous allons faire, nous allons aller sur store, on va cliquer sur launch your store builder, donc la boutique va se charger pour que vous puissiez essayer un peu de voir. Ok, le temps que nous patientons un peu pour que la boutique se charge. Ok, donc vous voyez là, maintenant nous avons un produit. Vous avez par exemple le header, vous pouvez changer l'en-tête de votre site. Donc le temps que ça charge, donc vous pouvez voir, vous avez logo store, vous avez link navigator, header setting, annonce bear et element. Donc vous pouvez ajouter autant de choses ici que vous voulez. Et par la suite, une fois que vous avez fait, vous avez la possibilité de prévisualiser. Et une fois que vous avez prévisualisé, si tout est OK, vous cliquez simplement sur publier. Donc vous avez la possibilité également d'ajouter des boutons, par exemple s'abonner à la newsletter que vous trouvez par exemple ici, le FODA. Dans le bas de page, vous pouvez changer à la simple option que pour la version gratuite, je pense qu'il est impossible d'enlever la signature. Donc le copywriting, donc je pense pour 29 dollars vous serez en mesure de pouvoir enlever cela. Donc comme cela, une fois que tout est fait, vous pouvez prévisualiser soit sur mobile. Donc sur mobile, vous voyez que elle est bien responsive, seulement que bon, il faudra que je change un peu le nombre de caractères du titre de ma boutique, ou simplement ajouter un logo. Vous voyez que les produits, tout est responsive, bien aligné. Au niveau du dev stock, tout est OK. Donc une fois que vous avez tout prévisualisé, et je vais simplement sortir, vous publier votre boutique. Donc voilà un peu tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à créer votre boutique et ensuite partagez simplement le lien de votre boutique à vos amis et vos proches. Et si vos produits sont intéressants, alors vous commencerez comme cela à générer vos revenus sur internet avec votre boutique créée sur Payhip sans rien payer. Donc c'était Michael Mika. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc qui était question de comment ouvrir une boutique en ligne sans argent. Donc j'espère que vous avez aimé le contenu. Si tel est le cas, alors lâchez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ok, merci.